chose qu'on attend d'abord depuis longtemps. Et la confrontation de haut niveau pour les véliplanchistes guadeloupéens, quelles que soient leurs origines scolaires, on dira, c'est-à-dire de Sainte-Anne, de Saint-François, des Abîmes, est une occasion de se confronter au plus haut niveau de pratique. Et l'ensemble des compétitions qui se déroulent maintenant depuis 3 jours montrent un très haut niveau de pratique et sur lesquelles les Guadeloupéens sont en tout à gagner en expérience de course et en habileté technique sportive. Les compétitions UNSS ont deux modalités particulières. La première, c'est de se faire par équipe. Et par équipe, ça veut dire que c'est le groupe qui fait corps. Ce sont donc des individus qui, par leur performance individuelle, amènent l'équipe à se transcender. Et le deuxième, c'est une mixité, c'est-à-dire qu'il y a aussi des filles qui sont intégrées dans cette compétition. Et cette mixité, ce groupe et en même temps le troisième volet du NSS, c'est bien que des jeunes officiels, jeunes arbitres puissent juger, arbitrer pendant ces compétitions, nous font organiser une compétition de très haut niveau. Et qu'il y a beaucoup d'élèves ici qui sont en pôle espoir dans leur département, dans leur académie, dans leur région, qui sont les meilleurs véliplanchistes de leur région et qui viennent se confronter donc chaque année sur les championnats de France UNSS qui sont à chaque fois d'un excellent niveau. À préparer d'abord de manière difficile cette organisation parce que ça demande beaucoup de temps, plus d'un an déjà, et les montages financiers doivent se préparer en amont puisqu'il y a plus de 20 planches, presque 30 planches qui ont été achetées en amont pour pouvoir bénéficier de l'équité sur les supports de planches. Et bien évidemment, tous les montages financiers réalisés nous ont permis d'avoir des subventions par la région, par le département, par la communauté d'agglomération de la Riviera du Levant et par d'autres sources mineures par la suite. Mais sans ces soutiens financiers, nous ne serions pas à même d'organiser cette excellente et très belle manifestation aujourd'hui. Bien évidemment, la région Guadeloupe a joué le jeu, la Riviera du Levant a joué le jeu, évidemment la ville de Sainte-Anne qui accueille, qui reçoit. Et donc il est important aussi, la FOL qui joue le jeu, parce que nous sommes dans une base nautique régionale et la FOL qui a la gestion. Donc tout ce beau monde a joué le jeu. Et c'est pour le meilleur, et je dirais pour le meilleur de la compétition, et surtout pour notre jeunesse.